Bonjour, merci, dass ihr das mit Lüring TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. Das Europaparlament hat seine Plenarsitzung vom April zu Straßburg aufgehalten. Viel Interessantes stung um Ordre du Jour. Aber ich will euch informieren heute über eine von den wichtigsten Decisionen, über die sich alle Europäer und ihr alle gut freuen könnt. Banküberweisungen gehen los. Mehr billig. Das ist ein höchsttechnisches Dossier, und dem wir schon über den Jahr schaffen, aber wir schon der Kommission Ökonomik und Monetär vom Parlament auch viel matt gewirkt tun. Ich bin froh, dass mein Besserungsantrag von unserem Rapporteur, dem französischen Deputierten Jean-Paul Gauzès, aufgeholt wurde. Hier als Haut bei mir am Studio. Ich sage merci, weil das sehr große Merit, dass es zu dem guten Resultat kommen ist. Es sollen dadurch die Leute, wenn sie Firmen machen, Geld überwiesen kriegen, zwischen 50 und 100 Milliarden Euro Männerbankkästen an den 27 Mitgliedstaaten bezahlen. Je souhaite la bienvenue à mon collègue Jean-Paul Gauzès. Merci d'être prêt à expliquer à nos téléspectateurs comment on est arrivé à ce bon résultat et quelle a été la contribution du Parlement européen où, en tant que rapporteur, tu as un énorme mérite. Merci de cette invitation. Effectivement, le Parlement a adopté un texte qui permet de clarifier, d'améliorer le marché des paiements en Europe. Ce texte est similaire à celui que les ministres avaient adopté à l'Ecofin du mois de mars, et grâce à cela, la directive est adoptée en première lecture, c'est-à-dire qu'on gagne du temps et de l'efficacité. On gagne du temps. Nous, la Commission et toi, on avait quand même terminé en septembre. C'est vrai, puisque ce projet a été lancé par la Commission dans un souci d'améliorer les paiements. Alors qu'est-ce que c'est que les paiements? C'est le fait de payer par une carte bleue, par un virement, par un débit d'office, non pas par les chèques qui sont tenus par une autre réglementation, de payer des prestations. Aujourd'hui, les paiements sont essentiellement faits à l'intérieur d'un pays. 95% des paiements luxembourgeois sont fait au Luxembourg, mais peut-être pas au Luxembourg, parce que c'est une grande place. Mais en France, par exemple, 95% des paiements sont faits à l'intérieur du pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'on crée, avec ces nouvelles dispositions, un marché intérieur des paiements, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'une zone de paiement, c'est l'ensemble de l'Union européenne. Avec... Les étudiants n'ont plus besoin d'avoir un compte en France lorsqu'ils étudient à Montpellier pour effectuer, payer leur logement. Ils pourront payer aussi facilement à Montpellier depuis Luxembourg que de Luxembourg vers Eichelon. Donc c'est le premier progrès. Deuxième progrès, c'est rendre les paiements moins coûteux. C'est en tout cas l'objectif de cette directive. Y arrivera-t-on complètement? Je n'en sais rien, mais c'est un espoir que l'on a. Moins coûteux parce qu'on améliore la transparence pour le client, des coûts, et on améliore aussi la concurrence. Et d'ailleurs, cette directive crée une nouvelle catégorie d'établissements, les établissements de paiement, qui ne sont pas des banques, mais qui sont des établissements qui sont spécialisés dans les paiements. On a quand même fait, une barrière de fou. On a voulu éviter tout de même qu'il y ait une concurrence déloyale entre les banques et les établissements de paiement. Donc les établissements de paiement sont soumis à un certain nombre de règles, de contrôles, et ils ne peuvent pas faire du crédit, puisque le crédit, c'est l'activité normale d'une banque, c'est la transformation des dépôts en prêts. Donc voilà cette concurrence qui est établie. Et on met aussi en place, grâce à cette directive, des règles juridiques uniforme pour tous les États, c'est ce qu'on appelle l'harmonisation de la législation, de manière à rendre possible pour les pays de la zone euro le CEPA, c'est-à-dire l'aire de paiement euro, qui est une initiative des banques. Les banques ont voulu simplifier les paiements dans la zone euro, et pour cela, il manquait des instruments juridiques qu'apporte cette directive. Oui. Donc voilà le dispositif. Ça signifie que progressivement, à partir de 2008,
pour le CEPA, c'est-à-dire pour la zone euro, vont se mettre en place des instruments de paiement européens qui vont pendant quelques temps fonctionner en même temps que les instruments de paiement nationaux. Et puis, vers 2010-2011, ne subsisteront que les instruments de paiement européens. Et cela facilitera la vie à tout le monde. 2008, c'est pas trop tôt. Ma banque me dit qu'elle a des difficultés, pour que je reçois, lorsque tu m'envoies de l'argent, que je reçois un jour ouvrable après. Oui, l'autre, parmi les éléments de cette directive, il y a le délai d'exécution. Oui. On a parlé des coûts, transparence des coûts, diminution des coûts, concurrence, et puis assurer la rapidité du paiement, ça veut dire abandon des jours de valeur, et un paiement devra être fait en J plus 1, c'est-à-dire il devra parvenir sur le compte du payé le lendemain du jour où le payeur aura donné l'ordre de paiement. Ouvrable. Avec évidemment quelques exceptions lorsqu'il y a du change, puisque cette directive vaut à la fois pour l'euro, mais vaut aussi pour l'ensemble des devises des pays membres de l'Europe qui ne sont pas de l'Union européenne, qui ne sont pas encore malheureusement à l'euro. Pas encore dans l'euro. Oui, mais on aurait pu avoir ça plus tôt. Il faut quand même dire que nous, au Parlement européen, et surtout le rapporteur, a bien fait son travail. Nous avions terminé notre travail en septembre. Alors, pour faire vite, on a voulu éviter une deuxième directive. Et qu'est-ce qui nous est arrivé? Non, mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que le Parlement, comme tu l'as dit, a travaillé très vite, puisqu'on avait mis, c'était tous les 10 mois à peu près, entre le moment où j'ai été saisi pour le rapport et le moment où la Commission l'a voté. Deuxième élément important, la Commission a voté ce rapport à l'unanimité moins une abstention, ce qui prouve qu'on avait réussi à trouver un texte équilibré, alors qu'il y avait d'un côté les intérêts des banques et des établissements de crédit et d'autres de paiement et d'autre part les consommateurs. Mais en revanche, les États, eux, ont eu beaucoup de mal à se mettre d'accord. Et pourquoi? Je crois que parce qu'au Parlement, on arrive à dépasser les intérêts nationaux. Ouais. Il y a une espèce d'alchimie qui fait que finalement, on pense Europe. Et bien sûr, on défend les intérêts nationaux les uns et les autres, mais on a toujours cette dimension européenne qui est forte pour nous. En revanche, les gouvernements, ils pensent surtout aux problèmes nationaux ou à leurs difficultés internes ou à des questions de technique locale. Et ils ont eu beaucoup de mal à se mettre d'accord. Et j'avoue qu'au mois de février, j'étais devenu très pessimiste. Et puis, la présidence allemande a beaucoup travaillé. Même. Presque exaspéré, oui. Et la présidence allemande a été très efficace, très persuasive. Et finalement, les pays qui bloquaient, on peut le dire, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, les pays scandinaves ont finalement baissé leur garde et accepté de rentrer dans un compromis. Surtout ceux qui n'ont pas l'euro. Oui. C'est quand même drôle. Hein, et ceux qui ont des systèmes de paiement très particuliers. Oui. En Grande-Bretagne, il y a un système très particulier qu'on ne peut même pas imaginer facilement sur le continent. Quant aux pays du Nord, les pays scandinaves, ils ont des technologies très avancées, très modernes, et d'une certaine manière, ils trouvaient que le dispositif qu'on mettait en place n'était pas assez performant pour l'avenir. Mais il faut laisser le temps à chaque pays de s'adopter. Pour vous donner une idée, le coût de la mise en place du CEPA, c'est-à-dire de la zone euro en France, c'est 3 milliards d'euros pour les banques, plus cher que le passage à l'euro. Parce qu'il faut des équipements informatiques, il faut former le personnel, il faut faire beaucoup de choses. Donc ça coûte cher. Il y avait un enjeu pour l'industrie qui était fort, et l'industrie attendait cette directive. Mais grâce au Parlement, elle a voulu. Et je crois qu'aujourd'hui, les diverses parties prenantes ont marqué leur satisfaction face à un texte qui est équilibré. Même s'ils ont encore un peu de problèmes avec l'entrée en vigueur en 2008. Voilà, ils trouvent que c'est un peu tôt, mais puis surtout qu'on a tardé, parce que l'objectif c'était 1er janvier 2008, et là il est clair que ça ne pourra pas être tenu, parce qu'il faut le temps des adaptations juridiques. Mais bien que la directive doive être transposée avant 2009, comme il s'agit d'harmonisation forte, c'est-à-dire de mise à niveau de toutes les réglementations, grâce au fait qu'elle est sortie aujourd'hui, la directive, les banques et les établissements de paiement savent quelles sont les règles juridiques qui vont s'appliquer, puisque les États n'auront pas beaucoup de marge dans l'harmonisation, dans la transposition. Donc tu es très content du résultat. Alors, je suis content du résultat, je suis aussi content de la participation de mes collègues, et notamment de toi. Tu as déposé des amendements, tu es beaucoup intervenu pour les faire retenir, et plusieurs ont été retenus. Et je crois qu'il y a eu un travail assez exemplaire au sein de la Commission, où les divers membres de la
la Commission, ont dépassé les clivages politiques pour essayer de trouver une solution qui soit équilibrée entre les consommateurs et l'industrie. Donc on peut se féliciter, et mes félicitations à toi, et merci d'avoir si bien expliqué aux luxembourgeois ce qu'on a fait de bien en Europe. Tu sais que j'ai des sentiments forts pour le Luxembourg. Merci.